feels like sandpaper. Faut boire. Donc, nous sommes de retour. Et ça va être le jour J. On va arranger ça avant de partir. Ça va être le jour J. On va prendre ça. Voilà. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Il n'y a rien d'autre. On s'était préparé déjà la dernière fois. On va pas prendre autant d'eau. On s'était déjà préparé la dernière fois, donc on n'a pas grand chose à faire. Je pense qu'on va partir maintenant quand il fait beau. Oh, on avait oublié ça. On avait oublié carcasse de lapin. Qu'est-ce qu'on fait? À 30, on a... On va prendre deux tissus de plus. Mais mince, j'avais oublié. On va prendre ça deux. On va tout prendre. Ah oui, quelque chose que je voulais faire, c'était réparer la scie. On avait parlé de ça. On avait parlé de réparer la scie. Je crois qu'on va la réparer maintenant. On va la réparer. D'abord, on va poser ça. Poser ça. Qu'est-ce qu'on fait? On la répare maintenant. Ah oui, il y a le sac de couchage à prendre, juste au cas où. Si jamais on tombe dans des problèmes. Ça, on répare. Ah oui, on va le réparer maintenant. 45 minutes, c'est chiant. Risque du mal de l'enfermement. Yay, super. Vraiment bien. Ça tombe vraiment bien. 73. Très bien. Okay, 73%, c'est très bien. Vous avez dit, hein, le mal de l'enfermement revient. On l'a pas complètement... Enfin bref. On va se concentrer sur ce qu'on doit faire. On est à 37 kilos. Ah oui, c'est parce qu'on a trop d'eau. Les lapins, on va les déposer par terre. On va les déposer par terre. On va les déposer dehors. Très bien. 4 litres d'eau. On va peut-être encore prendre encore un litre. On a combien de massettes? 47. Ok, 60. Très bien. Comme ça, on n'a pas besoin de faire à manger. On a 2 cafés, 2 tisanes, très bien. On a ça, on a du charbon aussi pour le feu, très bien, on a un peu de bois, on a 10 allumettes, ce qui est suffisant. On a le truc, ça on va les poser. On va manger les massettes. Ouais, on est bon, on va partir. Oh, bien, bien, bien. Ça on va le manger. Hop, et hop, ça on les laisse là. Et ça, on mange. Je voudrais pas taper déjà dans les réserves, mais on a tellement de massettes. Ah, pourquoi pas. Ah, elle est fatiguée. Non, mais on y va. Le truc, c'est qu'elle est un peu fatiguée. Je voudrais... Oh, putain, il fait beau en plus. Oh, c'est parfait. Je voudrais que... en fait, on parte... Il m'a fait peur, ce con. On part quand elle est en pleine forme, mais en fait, non, c'est pas grave. Au pire, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il fait beau, il fait pas froid et tout ça, on va arriver là-bas normalement sans problème, sans encombre. On a le marteau et tout ça. Marteau... J'aurais pu laisser les hameçons, on a ça. Okay, c'est bon. On aurait pu... dormir maintenant et partir pendant la nuit. Mais je pense que c'est trop dangereux. En plus, honnêtement, on a un très beau temps. Il fait pas froid. Donc autant en profiter. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a ça. On peut toujours sprinter, ça va.
Ouais. Et on va essayer de rester, je crois que je l'avais dit la dernière fois, on va essayer de rester au-dessus de 0 pour les calories. Enfin, on va rester dans le positif pour essayer d'avoir le bonus de bien reposer là. Comme ça, on va avoir 5 kilos de plus. Et à la limite, je sais pas si on va... Je sais pas si on va pouvoir le faire, honnêtement. Mais essayer de garder... Non, on va pas pouvoir le faire, ça va être trop chiant. On n'a pas assez de nourriture de réserve, je pense. C'est juste le coup de revenir en fait avec le bonus, peut-être, vous voyez, de genre que ça soit plus simple pour nous avec les 5 kilos bonus. Mais est-ce qu'on va pouvoir en fait le garder après ça? Je sais pas, je pense pas, parce qu'on a beaucoup de massettes, d'accord, mais c'est quand même que 150 calories par massette. Et rester positif tous les jours, ça consomme beaucoup de calories. Donc... Et on peut pas vraiment chasser. On n'a pas... on n'a pas l'arc encore. On va devoir crafter l'arc. On va devoir faire ça, ça et ça. Crafter les flèches. Attendre que les morceaux de bois sèchent. Eh merde, il y a un loup à droite. Ça va, ça va. Ah, donc... Donc je pense pas qu'on va... Non, on s'en... Pour le moment... Il y a une boîte là. On la reprendra quand on, quand on reviendra. Je pense pas qu'on va pouvoir garder le bonus. Donc honnêtement, on s'en fout le bonus. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Bienvenue à Muskeg Morn. Donc on va pas en tenir compte du bonus. Donc, après quand on chassera et qu'on aura plein de nourriture, on le fera, mais pour le moment non. Alors, Muskeg Morn est une zone pas extrêmement compliquée, mais elle peut être assez dangereuse. Je crois qu'on a des massettes un peu à droite à gauche. Je crois que là il y en a quelques-unes au fond. On peut en trouver d'autres. Alors en gros c'est un lac géant avec un chemin de fer, donc ces rails là, qui passe en plein milieu. Le problème c'est que la glace peut casser à plusieurs endroits. Le bon côté des choses c'est que tout ce qui est loup, ours, etc. ne peuvent pas franchir où la glace se casse. Et du coup ça peut être utile pour faire le tour des endroits et pour essayer de semer en fait les loups et les bestioles. Mais c'est dangereux. Oh non, je crois qu'on commence à avoir un brouillard. Oh, j'espère que ça va pas empirer. Après, la zone n'est pas très compliquée, elle est très très... Par contre... Oh putain, il y a un loup là. Le problème, c'est que... Mais merde. Le problème de cette zone, c'est qu'elle est très très exposée. Il y a... Ok, on a les... Ok, on va lui mettre un appât. Parce que là, on risque de tomber sur des bons objets. Il faut qu'on fasse le tour. C'est possible qu'on tombe sur du charbon. Car ça, ce sont des wagons de charbon. Donc, je préfère, voilà. Mange la paille et casse-toi. Parce que sinon, on va pas pouvoir regarder tout le tour. Là-bas, il y a un cadavre. Je sais pas de quoi. On va faire le tour par là. S'il y a des objets derrière la plupart du temps.
Ou pas. Ah, si, charbon. Très bien. Oh! Ok, pas mal. Et après, on peut aller à l'intérieur aussi d'un wagon. Là, il y a des objets apparemment. Ça. Fil en laine, très bien. On est à 36 kilos. Ok, très bien. Ok. On peut toujours sprinter, ça va. Ok, donc on peut couper directement par là. Je crois pas qu'on en ait vraiment besoin de couper directement. Parce que c'est plutôt là-bas à droite. On a des massettes. On va pas trop s'arrêter parce que j'ai peur que la nuit tombe. Et surtout, j'ai l'impression que le temps commence à se dégrader. Et j'ai peur qu'on ne puisse rien voir. Le problème dans cette zone, c'est que, comme j'ai dit, elle est très très ouverte. Et si vous voyez rien, il n'y a pas en fait de bâtiment ou d'endroit facile pour se repérer. Et du coup, si vous n'avez pas de vue, si vous n'avez pas de visibilité, ben personnellement, moi, je me perds tout le temps. Alors que je connais la zone, mais je me perds tout le temps si j'ai pas de visibilité. Donc là, on a les rails, donc nous, on continue de ce côté-là. Et en théorie, on devrait... Il y a beaucoup de loups. Il y a beaucoup, beaucoup de loups. Cet endroit est vraiment pas safe, hein, attention, c'est vraiment un endroit de merde. Mais bon, on a la forge. Je crois que c'est encore un peu plus loin. On a la forge à l'air libre comme j'ai dit, donc c'est vraiment bien quand on a des problèmes de... Oh putain de merde, t'es où? T'es là. On a des problèmes d'enfermement. Ah, faudrait passer. On va peut-être faire le tour. Je vois pas la forge. Putain, là, on revient sur le centre de la map. Il y a un loup devant. J'ai envie de balancer le leurre pour lui, parce qu'on a un loup qui est devant aussi. Pas fun. Lui, il est en train de faire du surplace. Il fait des allers-retours. Je crois qu'il nous sent, en fait. Et il y a encore un loup juste devant. Vraiment bien. Vraiment bien. Que la forge est plutôt à gauche ou plutôt à droite? Ouh là là! Vraiment pas fun. C'est vraiment pas fun. Alors pour éviter de tomber sur la glace qui casse, faut que ça soit des parties qui soient avec de la neige. Genre les grandes étendues comme ça, elles vont casser. On a toujours pas froid, ce qui est bien. Donc faut faire le tour. Là on est bon. Il y a un loup à droite.
Il y a un ours droit devant. Non. Mon dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au ciel? Il y a un ours sur la droite. Oh, j'espère qu'on va pouvoir passer là. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Non, ça va. On est assez lent parce qu'on est lourd. Donc j'ai l'impression qu'il gagne un peu de terrain. Oh, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la forge. Ok, c'est les bâtiments détruits. Là, ça veut dire qu'on arrive. On va un peu courir parce que je crois qu'il prend de la... Il se rapproche. Quoique, non, ça va. Ok, on va essayer de garder de l'endurance pour sprinter si jamais on est dans la merde. On a une maison là, à fouiller. Mais je crois que ça va pas vraiment nous protéger de monsieur le chien derrière. Donc vous voyez la grange qui est droit devant, c'est là la forge. Donc on va y aller. Par contre je sais pas si cet étang casse, donc on va faire le tour tranquillement. On va passer par là. Donc là, il y a sûrement des objets à récupérer. On va pas pouvoir le faire à cause du loup. C'est pas grave, on va revenir. Faut vraiment qu'on arrive à la forge. Il y a un loup juste à côté, juste à droite. Pitié, me dis pas qu'il est en train de me sauter dessus. On a mis un leurre. Oh, on est bon. Oh la vache. Fifa putain, c'était stressant. Hein. C'était assez stressant. Alors, ça, ça, on a du bois cassé. On va d'abord fouiller. Alors, ils peuvent pas rentrer là-dedans. Ouh, des bottes de combat. On a même un établi ici. Des bottes de combat, c'est bien ça. Veste de ski, très bien ça. Il faut qu'on fasse le tri après. On a des objets rares. On a des bons objets rares. Alors, c'est bon, on est arrivé à bon port. Alors, 4. 14, jeter tout. Ça, jeter tout. Jeter. Ok, très bien. Hop. Okay, bien, 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 bien. Le livre, on le garde sur nous. On a 37. On va poser l'eau, parce qu'on en a un peu beaucoup. 3. Très bien. Le faitout, je crois que le faitout on peut le mettre dessus, si je dis pas de bêtises. Ah oui, le métal on va le poser pour le moment.
Notre... Oh la vache. Ah bah du coup t'es plus légère hein, ma petite. Oh non, on n'a pas pris les fétous. J'ai cru que j'avais pris un fétout. Oh merde. Oh putain. Oh, j'étais persuadé qu'on avait pris le fétout. On n'a pas pris le fétout. Bon, c'est pas grave. Restons concentrés. On a une deuxième veste de ski, ce qui est très bien. Là aussi, on a des objets. Très bien, on a ça. On a des caisses. Oh. On a des caisses à casser pour le bois. On a ça à scier si on veut, si on a besoin. Elle est fatiguée. On va devoir dormir, hein, je le préviens direct. On va devoir dormir. Alors, attendez. Qu'il n'y ait pas un loup qui nous la fasse à l'envers. Ok. Journal, ça on l'a fouillé. Ok. Alors, je vais sûrement moins parler que d'habitude, parce qu'il faut qu'on se concentre un peu sur ce qu'on doit faire et dans quel ordre, pour maximiser notre déroulement de la situation. Voilà, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Voilà, très bien, on va manger ça. On va se goinfrer de calories. Ça, j'ai peur de le manger, honnêtement. Donc, on va attendre. Elle est fatiguée. Je pense qu'on va dormir. J'ai un peu peur que le temps se gâte. Et qu'il fasse extrêmement froid. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir... par morceau d'heure et pas plus. On va pas dormir genre 10 heures d'affilée. J'ai peur qu'il fasse trop froid. Ok, alors ce que je voudrais faire d'abord, c'est... Il y a un loup à gauche, c'est quoi ça? Ah, ils ont pas pris la pas, ok. Merde, il est là, il est là. On va pas pouvoir... Aller récupérer les objets, quoi. C'est un backer. Oh là 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 là. Ça va être chiant. Ça va être extrêmement chiant. Une heure. Faut récupérer du bois en plus. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Ah. Arrête de me stresser. Arrête de me stresser. Ok, on devrait dormir. Là-bas aussi, on peut, dans la forêt, on peut aller voir s'il y a des choses intéressantes. Là-bas, il y a des champignons à aller récupérer. Il y a toujours un loup à gauche, c'est bien. Et l'autre, il va sûrement être ta maman. Bon ben... Bon ben c'est l'heure de dormir parce qu'apparemment on peut rien faire dans le jeu. Donc on est 2 degrés plus 5, on va dormir une heure, on va voir un peu comment ça se passe. Ah, l'autre il s'énerve. On va dormir comme... Qu'est-ce qui se passe? Ok.
ça va. On va dormir par morceaux d'heure, comme j'ai dit. Une heure, deux heures, pas plus. Ok. On va dormir deux heures. Parce que j'ai peur que le temps se gâte et qu'il fasse extrêmement froid. Parce qu'après, là, on va être dans la merde. Quand il fera froid, on fera le feu. Et on commencera à crafter. Ok, elle commence à avoir un peu froid. Ok, maintenant on est à moins 2. On ressent moins 2. Dans le lit, on a plus 5, donc ça va. Pour le moment, on est en positif. Mais voilà. Par contre, ça vous repose pas énormément de faire ça. Moins 4. Ça vous repose pas énormément. Le mieux, c'est de dormir par gros blocs au lieu de petits blocs. Mais là, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment le faire. Moins 5. Ok, je crois que là on va avoir froid. Là je pense qu'on va avoir des problèmes. Ok. Ouais, c'est bon. Allez, on fait le feu. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Ah, donc maintenant on peut mettre le charbon directement. Puis on a mis 3 charbons, on va voir à combien ça monte. Je pense qu'on va boire le café. Parce qu'on n'a pas pu vraiment dormir. Je sais pas combien de temps... Enfin, on va laisser le café là. Je sais pas combien de temps en fait la tempête va durer. Donc le mieux ça serait de... Ça serait de... De prendre le café pour éviter d'être fatigué. D'abord, ça, on va le laisser, je pense. On va manger un peu de... De massette. Ok, on arrive à 60 degrés. C'est combien pour travailler fort? C'est 150, ok. Là, ça y est, on est parti. On peut plus revenir en arrière. Ah ça y est, c'est parti. On va forger. On a vraiment un temps de merde. C'est abusé. Ah, très bien. Boire. Dans 5 minutes. On va commencer à forger. Donc 1, 2, 3. On va d'abord faire le couteau. On va prendre l'eau. Alors. Couteau, c'est 3 heures. D'abord boire. C'est parti. Aussi le
comment dire, la chaleur de la forge touche le lit, donc vous pouvez dormir en fait. Et ça va vous réchauffer, donc vous risquez rien. Fatigue réduite, ça marche. On va prendre l'autre café, histoire de durer longtemps. Maintenant on va prendre 2, 3, 4, 5. On a encore 6 heures. C'est 4 heures. Ah, très bien. Ça se passe bien. Voilà, très bien. Eau potable. On est à 4 heures encore de forge. On va mettre ça dedans. Ok, on est à 6 heures. On va faire une petite pause, on va faire de l'eau. Je voudrais aller voir si on peut pas récupérer... Si on peut pas récupérer les choses dans la maison... Mon dieu, mais t'es sérieux? Donc la réponse est non. La réponse est non, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, hein, le jeu est pas drôle. Il y a encore un lit, il va falloir qu'on fasse de l'eau. Donc on a maintenant notre couteau, ça y est, on a notre couteau. Et notre hachette, ce qui est bien. C'est bon, tu peux te casser, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait casser le temps que ça... Ah, fermer ta bouche, ta gueule, enfin non, non, ils ont des gueules, donc... Le loup qui revient, oh mon dieu, mais c'est vraiment n'importe quoi. On va monter, juste au cas où... C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment pas drôle. Honnêtement, je sais même pas comment on va faire pour ressortir, repartir. Enfin bref. 5 heures. Maintenant, on fait pointe de flèche. Ah, oh, on peut choisir. Oh, cool, on peut choisir maintenant combien on en fait. C'est vrai qu'avant, on pouvait pas. C'était à chaque fois, c'était un craft. Il fallait relancer le craft à chaque fois. Par contre, on va juste manger un peu plus de ça. On a encore 2 ou 3 bouteilles d'eau derrière, je crois. Par contre, j'ai une question. Si on met ça d'eau et qu'on forge pendant une heure, ça donne quoi? Est-ce qu'on perd l'eau ou pas? Non, ça va. Oh, cool! Parfait. Ah, du coup, on n'aura pas de problème d'eau. C'est très très bien. C'est juste à peine suffisant, quoi. C'est énorme. Ok, maintenant il fait beau. Je voudrais pouvoir... Je vais voir si on peut...
Bon, bah la réponse est non, hein, toujours, hein, c'est bien, hein. Abusé. N'importe quoi. Saloperie, quoi. Ouais, casse-toi. Bien. Faudrait pas casser le marteau, ce serait marrant, tiens. Casser le marteau. C'est un peu marrant. Alors, elle commence à être fatiguée. Ça, c'est un problème. On a combien de têtes de flèches? On a 6, il en faut encore plein. Ça va, on a assez d'eau. On a un vent tout pourri, c'est bien. Il y a encore 4 heures. Le problème, c'est qu'on va devoir dormir. Heures, on va prendre la tisane pour dormir plus efficacement. Alors, je crois qu'on va dormir... on va se reposer plus... On va mieux se reposer, je crois, aussi. Ok, on a 7 heures. Je crois que le repos... On récupère plus de vie, mais aussi on se repose plus vite. Je crois. Pas très sûr, en fait. Ok, 4 heures. Il nous faudrait du bois. Mais j'arrive pas à aller récupérer du bois à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des cons de loups partout. Et ça devient un problème. J'ai pas envie d'utiliser tout le charbon, moi. Parce que là, ça devient débile. Ça devient complètement débile. On va essayer de faire le tour. J'ai pas envie de sprinter parce qu'elle va se fatiguer. Il y avait un truc à récupérer. Qu'est-ce que tu me fais chier, toi? T'as vraiment de la chance que j'ai pas un arc ou un fusil ou un lance-lame. Il est juste à côté, il est juste à côté, il est juste à côté, il est juste à côté. Putain, il y en a trois. Il y en a trois qui nous tournent autour. Qui nous courent autour. J'ai dit quoi? Qui nous tournent autour? Qui nous courent autour. Ah! Quel bordel. Bon, on a récupéré
On a récupéré quelques trucs. Ça va? Ça va, ça va. Eh mais on va rire pour partir. Je sais pas comment on va partir. Je sais pas du tout comment on va partir. Ça va être complètement débile. En gros, on va partir, on va devoir courir tout le long. Je sais pas comment... Non, je sais pas, honnêtement. Je sais pas quoi faire. C'est absurde, là c'est absurde. Là on va devoir zigzaguer entre les loups et tout ça, c'est n'importe quoi. Du coup j'ai l'impression qu'on va devoir utiliser aussi tous les... toutes les pierres. Ah, ça, ça va, ça c'est bien pour l'eau. Au final, c'est mieux que d'avoir... un fait-tout. Je suis en train de me dire peut-être qu'on devrait utiliser, créer un deuxième couteau. On a encore 4 heures à la sommeil. Le truc c'est aussi qu'il faut dormir pendant qu'il y a encore du feu. Parce que comme on a vu, vu qu'il fait froid, des fois, si jamais on dort... Et qui fait qu'on a une tempête, c'est bah c'est la merde. Ah, c'est complètement la merde. Merde, j'ai bu avant de dormir. Je me rappelle même plus. Encore 6 heures. Et vous imaginez même pas avant ce système de faire cuire l'eau, enfin bouillir l'eau et tout ça. Avant, du coup, il fallait faire des pauses en fait pour faire de l'eau. Et du coup, vous pouviez plus forger en fait. Vous pouvez pas faire les deux en même temps. Donc vous imaginez un peu le bordel avec le temps. Genre faut faire durer le feu encore plus longtemps. Ou alors faut venir avec genre 15 litres d'eau. C'est l'un ou l'autre. C'était vraiment relou. Là maintenant c'est vrai qu'avec ce système c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple. Extrêmement plus simple. On va devoir regarder autour de nous pour casser des caisses. Cinq heures. On a combien? Je crois qu'on a, on doit avoir plus de 20 là. Non, on en a 20 pile. Ça marche. 1 heure. Pour 1 heure de perdu pour le feu, enfin même moins d'une heure, on gagne. On gagne 2 heures de feu. Ok, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Je suis en train de me demander si ça vaut le coup de faire un deuxième couteau et un deuxième deuxième hachette. Peut-être à la limite une un deuxième couteau, seulement un deuxième couteau. Est-ce que le couteau est lourd? Normalement non. On a encore 5 heures. On a encore tout ça de ferraille. On a quoi? 24. Loup là-bas. On a encore un appât, on n'a pas d'appât. Là-bas, il y a du bois. Je voudrais bien aller le récupérer. 5 heures. Oh. Pas mal, pas mal. Oui, certaines boîtes contiennent des objets. C'est méga rare. Mais... enfin, pas tous. Et on est à 6h50. Il y a un truc derrière. Je crois. Il y a un coffre. Non, j'aime pas faire ça. Ah. 50, et merde. Surtout qu'on est pressé par le temps. Cinquante-six. Calvaire. Un jean usé, super. Vraiment utile, merci. Ah, on peut le mettre le deuxième du coup. C'est pas si mal au final. Ok, 7 heures. Faudrait qu'on dorme. Faudrait qu'on dorme. Ouais. On va dormir encore 3 heures. On n'a plus grand chose à casser. Enfin si, on a encore une caisse en dessous. On va faire ça après. Comme ça, elle sera bien reposée et on va pouvoir finir nos crafts. Il reste 3 heures de feu. Ok, très bien. On est à 5 heures. 5 heures, du coup, on continue à faire des têtes de flèches ou alors on fait plus de. Ouais, on va continuer les têtes de flèches. Ça va la musique, pas besoin de stresser encore plus. On est déjà assez stressé, je crois. Hein, je crois que ça va. Niveau stress, on se porte bien. Je voudrais bien aller. À l'arrière, j'ai envie de tenter le coup d'aller à l'arrière pour trouver du bois.
J'ai envie de tenter le coup. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué avec les loups, mais j'ai vraiment envie de le faire. On va aller tester. J'aurais bien pris une torche, mais ça va prendre du temps sur le feu. Bon, après on pourrait sortir nos torches et les allumer, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça non plus. Pas le moment de se péter une cheville. Là on a du bois. Il y a aussi des champignons, mais on s'en fout. Là-bas, il y a aussi des bâtiments à aller voir. Ok. Yes. C'est bon, on est reparti. Ça fatigue tout ça. Ah merde, l'eau. Je crois que ça va être la fin. On a 30 flèches. 30 points de flèches. Pardon. 30, c'est pas mal. On a encore 4 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le couteau? Je crois qu'on va faire le couteau. C'est bête qu'on gagne aucune expérience à crafter comme ça. Ça serait vraiment bien. Je sais pas quel genre d'expérience, mais peut-être oui, le genre crafter plus vite. Genre après, au lieu de 45 minutes, ça prend 40 minutes, etc. Bon, peut-être pas aussi OP, mais peut-être pas des blocs de 5 minutes, mais... Je sais pas, quelque chose. On a encore 2 heures. On a vraiment plus rien, le livre. Il y a 2 heures. Je pense qu'on est bon. On a 2 couteaux, une hachette et plein de têtes de flèches. Donc c'est bien. Le couteau, la hachette, c'est quoi? C'est 4 heures, je crois. Je vois pas. Oui, non, là on va pas pouvoir. Il y a les planches là, mais à chaque fois j'ai peur que ça casse les planches. On peut pas faire à la main.
Le problème, c'est qu'on peut pas les faire à la main, les planches. C'est un peu un problème. Le marteau, il faut le réparer. Comment on fait pour... On répare les marteaux? Réparer. Il faut marteler un bois de chauffage. D'accord, du sapin. 68%. On est passé à 67. Ok. Mais après, on pourra plus monter. Quoique, il y a peut-être des planches qu'on peut pas casser. Ouais, non, on va pas tenter. Ok, on est à 4 heures. 67. Ah, ça va, il a pas pris cher en fait. Ah, on a le bonus, ça y est. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une deuxième hachette? Parce que là, on a le temps. Là, on peut. Je dirais go. Go, deuxième hachette. Comme ça, on est vraiment bien. Où la hachette? Ah putain. Ouf. Va falloir qu'on dorme, va falloir qu'on dorme. Il reste 1h40. Donc on a deux hachettes. On a deux couteaux. Deux hachettes, deux couteaux. Marteau, il a 64%, c'est très bien. Et on a 32. Ok. Hop là. Ouais, faut dormir par contre. Faut dormir parce que sinon on va pas pouvoir... Ça va être risqué en fait de dormir, comme j'avais dit, si jamais il fait froid. Donc il va falloir dormir. Ok, c'est parti, dors. Dors. 4 heures, je dirais. Ouh, 4 heures, c'était peut-être un peu trop même. C'est vrai que le temps, on peut directement passer au problème très vite. Il fait jour, il fait pas trop froid. La forge, le fourneau, ok, c'est bon. Prendre le charbon. Ok, très bien. On est à 33 kilos, ça on prend pas, ça on prend pas, l'eau on en a, ça on va garder l'eau là, on va le laisser ça, le métal on le laisse, ça aussi on le laisse, ah c'est bon on se casse, ça on le laisse, c'est bon, on s'en va, c'est parti. Putain, j'espère que ça va bien se passer. Ok. Fusée. Bon, on va passer... On va couper, je crois. On va passer par là. Je sais pas. Revenir sur nos pas, ce serait le... Ce serait la meilleure des choses, en fait. Mais j'ai envie de m'aventurer là-bas pour aller voir ce qu'il y a.
Le problème c'est est-ce qu'il va avoir un loup ou pas. Je dirais non. On n'a rien oublié hein. Il fait pas extrêmement froid en plus. On n'a rien oublié, hein, 34, couteau aussi. On a le marteau, l'acier elle est encore avec nous. On n'avait rien déposé à part le métal et tout ça, donc ça va. Je suis super heureux hein, et super content de ce qu'on vient de faire, mais c'est vrai que là c'est un peu stressant le retour. Il y a des caisses. Vous voyez, là on aurait pu vraiment récupérer du bois en fait. Il y a une lampe. On est en surpoids. C'est un bateau. Vous voyez, on aurait pu vraiment récupérer des choses. Récupérer plus de bois de ce côté-là si on n'avait pas été embêté par, par les loups. Mais bon. C'est fait, c'est fait. Allez. Alors, on va passer par là. Mais je crois pas qu'on va longer le côté droit parce que je crois qu'il va y avoir beaucoup de bestioles. Je suis pas sûr. Je crois qu'on va couper sur la gauche. Je vois pas de... Je vois rien qui bouge. Ça a l'air d'être mort. Donc ça va. Je crois avoir vu un bâton par contre là, en plein milieu là. J'ai un peu peur du côté droit là. Comment on y va? Il y a des massettes. Il y a des massettes et un... Ouais, et un bois scié. Mais je pense pas qu'on va pouvoir y aller. Hein. Ouais, non, on va pas pouvoir y aller. Hein. Comment on y va? Là, par là? C'est vraiment froid? Ouais. Non. Ah! Le pont. T'es sérieux là? Fait froid. Est-ce qu'on voit des loups? Non. Bon, c'est juste un bout de bois. On va rentrer. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est pas une grotte, ça. On va voir. A l'air d'avoir des... Pas l'air d'avoir de monde. Ah.
Si le temps... Si le temps s'était pas gâté, je serais allé récupérer le bois là-bas, mais bon. Je crois qu'on va juste rentrer. Bon. On est toujours pas sorti d'affaire. Hein. Tant qu'on n'est pas retourné au lac Mystère, honnêtement. Oh, c'est un... C'est un élan. Oh mon dieu. Ok. Une carcasse de... Il y a un élan ici. Ok, ça c'est bon. Bon à savoir. Bah du coup, le... Quand on aura... Faut qu'on passe par là. Quand on aura tout... Putain, on est à contre-vent, fait chier. Quand on aura fait notre arc... flèches, etc. On reviendra ici le chasser. Par contre, le problème de le chasser ici, c'est comme j'ai dit, c'est exposé. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit pour nous protéger du vent. Donc, il va nous falloir des bons vêtements. Donc, ça sera vraiment beaucoup plus tard. Quand on aura des vêtements assez importants. Genre, il nous faut des vêtements en peau de loup, en peau de cerf, etc. Et après, on ira chasser l'élan. Pourquoi on veut le sac? On veut le sac. Ça va nous permettre de... Oh, il y a un bout de bois, là. On passe devant, normalement. Ça va nous permettre d'avoir un 5 kg bonus. Le sac avec l'élan. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut une seule peau pour le sac. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une cape. On regardera quand on rentrera. Une cape qui est pas mal. Il y a un loup à gauche. Elle était en train d'utiliser la hache. Je crois. Oh non, t'es sérieux? Là alors. Mais t'es... Non, sans déconner. Non, 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 me fais pas ça. Hop là. Merde, y'a pas un loup devant? Non, c'est un bout de bois. Là, c'est vraiment pas bon, par contre. J'ai peur de devant. Là. Il y a personne. Y'a quoi là derrière? Je crois qu'il y avait... Y'a pas un... Non, je sais pas. Je sais que à certains endroits, il y a des bunkers. Et je crois qu'il y en a un là, mais... C'est dans un des recoins en fait de la zone. Je sais pas où. Par contre, est-ce que l'hypothermie...
Il y a encore un truc. Ok, par contre là on risque d'être dans la merde. On a plus de café, j'aurais dû prendre plus de café. On va boire la tisane. D'état. J'ai peur qu'elle tombe dans les pommes. Normalement elle peut rester quand même pas mal de temps, on l'a vu qu'on avait poussé, on avait poussé vraiment à bout. Donc ça risque. Je pense pas qu'on. Je pense qu'on peut rentrer. Je pense qu'on peut rentrer. On a le temps de rentrer. Mais sinon on a le shot d'adrénaline. On se le plante, on aura le... Comment ça s'appelle ? L'endurance à l'infini. Par contre, c'est relou d'avoir le vent là-bas. Quoique, non, c'est peut-être parce qu'elle est lente. Je sais pas. Là, on peut pas sprinter, on va pas se permettre. Si on sprint, on est mort. J'espère qu'il va pas avoir de loup. Sinon, on est dans la merde. Il y en a un là. Ah, bon, au final, il nous a pas vu. Bon bah du coup ça servait à rien. Est-ce qu'on rentre... Où est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va à notre camp ou alors on va à la cabane du trappeur? La cabane du trappeur, on risque de rencontrer des loups. Alors que le lac mystère, c'est directement, c'est tout droit, c'est plus simple. Ouais, non, on va directement chez nous. Pas le besoin d'aller à la cabane du trappeur. Ah, les deux sont plus ou moins à la même distance, sauf qu'il y en a un, c'est à gauche, l'autre, c'est devant. Bon, si on arrive à... Je parle beaucoup parce que c'est un peu stressant. Si on arrive à rentrer sans problème, on a vraiment très bien joué. On a vraiment très bien joué. Ça veut dire qu'on a récupéré donc deux couteaux. Il y a ça aussi à récupérer. Deux couteaux. Deux hachettes. Ah le... On avait chaud pendant un moment. Ouais, si on est protégé du vent, il fait chaud. On récupère. Donc deux couteaux, deux hachettes, il y a un loup pile devant. Non, c'est un caillou. Non, c'est un caillou. Deux couteaux, deux hachettes et on a au moins 34, je crois, tête de flèche. Énorme. Vraiment énorme. Vraiment très 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 bon. Vraiment très content. Et la bonne chose, encore une fois, c'est qu'on a fait tout ça dehors. Donc du coup, ben, le mal de l'enfermement, on avait un problème avec. Vous avez vu qu'on l'avait enlevé, on avait pu l'enlever. Puis après, on l'a encore eu.
Il était déjà à 20%. Donc là, je pense qu'on l'a mis à 0%. Avec, on a passé quoi, 3 jours à l'extérieur, 4 jours. Donc là, là, on est bon. Là, là, je crois qu'on est bon pendant un moment. Et ce qui est bien, parce que on va devoir passer un bon moment à crafter. On va d'abord faire l'arc, comme ça on pourra aller chasser. Et après, on fera. Tout ce qui est les fourrures et tout ça. Par contre, le bonus des 35 kilos, là, on l'a pris pour aller plus vite, pour pas qu'on soit trop alourdi. Mais au final, je crois que je dépasse les 35 kilos, donc c'est pas très très bon. Là, c'est pas vraiment très malin de ma part. Ah, mais bon, comme ça. Je pourrais regarder mon inventaire et dropper quelque chose, mais honnêtement, on est bientôt à la maison. Après, une fois qu'on aura fini l'arc et les flèches et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Personnellement, j'ai bien envie de tenter l'élan assez tôt pour faire le sac directement. J'ai bien envie de faire ça. Parce que ça va nous aider franchement à se balader. Donc j'ai bien envie de me concentrer sur l'élan assez vite. Là on va perdre le bonus, mais on va faire c'est pas grave. Honnêtement, je préfère maintenant garder des ressources de côté. Parce qu'on n'a plus trop à manger, en fait. On a tapé dans nos réserves de massettes énormément. Oh, on est de retour à la maison. Eh ben, la vache. Je sais pas si on va pouvoir mettre tout ça là-dedans. Ah si. Oh, vache. On va mettre les deux bouts de bois. On a ça. Oh, tout est séché, mais c'est énorme. Et ouais, du coup, tout est séché, c'est parfait. Ça va rendre un peu trop. Si on a fait durer le feu tellement longtemps, j'aurais pas dû prendre autant de charbon, enfin, c'est pas grave. C'est pour ça en fait qu'on était lourd. J'ai pris énormément de charbon. Est-ce que j'avais pris au final l'eau qui était derrière la maison qu'on a fait? Ouais, on va plus. On va vraiment être dans la merde en fait niveau nourriture. Parce que il nous reste quelques massettes à la maison. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc après, il va falloir se bouger un peu le cul. Pour trouver quelque chose à manger. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on a full vie, on a plein de trucs. Ouais, ok, c'est bon. Eh ben, repos bien mérité.